Je vais parler maintenant de parler. Bana bana na titi élégant. Bana babona. Je vais parler en langue française. Ils disent, il n'est pas élégant. Je dis que je m'en fous de l'élégance. Je ne suis plus un enfant qui doit courir vers la beauté physique, mais je suis devenu un adulte qui court vers la beauté intérieure. La première personne qui me témoigne son amour, c'est ma femme. Voilà pourquoi je dis merci à madame. Et je dis aussi un grand merci à ma famille. Écoutez le son, fille. Ça va vous amener à réfléchir. Bonjour, la mère, la reine aimée Ndoumbé. Écoutez, je suis dans l'ancienne musique. Après, les danser. Attendez. C'est ma pause, je suis en pause. Moi, net, je ne suis pas là pour dire que non. Celui qui a honte, c'est son problème. Moi, c'est ma pause. Donc, quand tu le vois bien noir comme ça, il faut savoir que c'est la sécurité. Agent de sécurité, ne donne pas le nom de ma boîte. Celui qui veut walk, si je dis que bon, j'ai un gars qui veut walk là. J'ai essayé de mettre en avant certains de mes frères qui ne sont pas encore régularisés. Et ma boîte m'a dit non, c'est risqué pour le moment. On a essayé avec quelqu'un et on nous a arrêté. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin des gars qui n'ont pas de papier. J'ai dit ok, au moins j'ai essayé. Voilà. Moi je suis un bluffeur. Chacun, écoutez le morceau. Après même on brille d'abord, c'est ma pause. Après même... Il y a un ami qui m'a demandé, c'est un collègue de la boîte, qui m'a dit, je peux te poser une question. Je lui dis, vas-y, pose-moi ta question. Je veux te demander, peux-tu laver les vêtements et sous-vêtements de ta femme? Je dis, mais si tu me poses déjà cette question, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux voir si je suis devenu un homme ou je suis encore un ignorant? Il me dit, c'est parce que j'essaie un peu de voir qui tu es. Je dis, mon frère, je lave tout de ma femme, même mes enfants, parce que nous vivons dans un monde où il ne faut pas qu'on nous égare. Il ne faut pas s'égarer de combat. Là, je suis entré pour me servir le riz, parce que mon sac de riz dort là-dedans. Ça dort là. Mais en allant me servir... J'ai fait tomber le pantalon de madame. Ça, c'est le pantalon de madame. Ça veut dire qu'il y a le sol, comme j'ai astiqué les escaliers, dont le sol est poussiéreux. Même si j'ai aspiré, il fallait que je passe une serpillière. Je ne l'ai pas fait. Et voilà, ça a sali le pantalon de madame. Il va aller mouiller mon habit. Il mouille. Je dois rendre le pantalon de madame propre. Parce que quand elle prend de son temps pour laver, bon, ça c'est le pressing, pour laver certains vêtements de monsieur et des enfants, pourquoi l'homme ne peut-il pas prendre de son temps et d'astiquer le vêtement ou le slip ou la maison de sa femme, sa pronom possessif, mon Thompson? Pendant qu'il parle, le temps passe. Il va astiquer. Non, je vais suer. Même si il y a la sueur là. Il va prendre quelque chose de propre. Écoutez, Alima. Écoutez, j'arrive. Okay.
pause. Comment? Il ne faut pas être de ceux-là qui ont les yeux vers la vérité, mais décident plutôt d'envoyer les autres vers le mensonge. Ça, c'est la vérité, mes chers garçons. Je n'ai pas de garçon, je n'ai que des filles. Mais si j'avais un garçon, je donnerais les mêmes conseils que ceux que je donne à mes filles. Ça, c'est le pantalon de madame. Pantalon de madame. Mon frère, manga, doit être chaud, non, mon frère. Quand on sort, même quand elle est à la maison, elle doit être mon frère. Hey, pouf! Chastique. Ça fait partie des petits gestes que nous, les hommes, on a abandonnés. Ce sont nos grands-pères qu'on a vus auprès de nos grands-mères. Et ils sont pour nous comme des modèles. Alors que ce sont des humains. C'est des choses qu'on apprend. C'est des choses dont tout le monde est censé appliquer. Et si toi tu sais, je vais te mouiller. Hein. Voilà, ça doit être propre. Ça doit être propre. Parce que quand ma femme prend mes vêtements jusqu'au slip, elle lance ça là. Machine à laver. Pourquoi moi, elle ne peut pas prendre les affaires de ma femme, lancer ça à la machine à laver comme elle fait? Veux-tu rencontrer ces hommes qui vont te dire que je ne travaille pas demain? Non, je ne travaille pas. Le boss vient de m'envoyer un message. Il ne travaille pas demain parce que si je fais demain, je vais faire jeudi, vendredi, samedi. Oh, oh, mon frère, pour combien? La sécurité, il n'y a pas de sous-métier, mais on n'est pas payé cher, mon frère. Je ne travaille pas demain. Je vais te répondre non pour la première fois, mon frère. Et tu ne fais même pas comme certains boîtes où tu me prends, que viens choquer. Et si elle vient choquer, tu dis que bon, ok, je vais t'ajouter 30 euros la journée. Là, tu n'ajoutes rien. Je vais te répondre tout à l'heure. Mais je suis avec mes gens. Pourquoi est-ce que, si je parle comme ça, c'est pas seulement pour les hommes, parce qu'il y a certaines femmes, c'est ça, elle dit qu'ici en France, en Europe, comme aux États-Unis, quand on sort, on oublie les vraies valeurs. Les valeurs qui valorisent. Voilà. Les valeurs qui éclairent, qui illuminent. Les valeurs qui portent, qui feront de nous des exemples, des bons exemples. Parce qu'il y a les mauvais exemples, des bons exemples. Attendez, c'est bien ça. Est-ce que je suis encore cet enfant qui se tiendra devant les adultes et se comportera en enfant alors que non, je ne suis plus un enfant? Hier, j'étais un enfant, je pouvais parler comme un enfant. Et aujourd'hui que je suis un adulte, il faut que je fasse des choses d'adulte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Mais quand vous avez délaissé la Bible au profit de la porno, de la porno en français, mais il faut qu'il y ait un porno bave dialogique, oui, dialogique, parce que vous suivez n'importe quoi, vous êtes partout, mais c'est bien d'être partout, sauf que la différence sera ou résidera où entre le discernement, l'application de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute. D'où on va mettre ça? Est-ce que cette parole peut impacter mon esprit? Oui. Est-ce que cette parole peut impacter mon esprit positivement? Oui. Est-ce que cette parole peut impacter mon esprit négativement? Oui, ça veut dire que j'ai encore une faiblesse. Ça veut dire que je ne suis pas encore fort à affronter le diable. Parce que le diable, pour combattre le diable, les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais pour nous, ça devient facile puisque c'est, on a déjà compris, ça devient très facile. Laissez-moi assiquer le pantalon de madame quand même. Quand elle vient, doit porter ça, quand elle part au boulot, ça doit tomber sur elle, propre. Propre. C'est tombé là, ça doit pas être sale. Parce que quand moi, je pars au boulot, que mon pantalon est bien lavé, n'est-ce pas?
je suis content d'abord. Après, les autres personnes sont contentes que lui, il est toujours bien. Non. C'est parce qu'à mes côtés réside. À mes côtés, il y a une force tranquille. À mes côtés, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Que vous voyez rarement quand je suis dans les soirées. C'est là, on rencontre ma femme. Pourquoi je ne peux pas aussi astiquer son pantalon? Pourquoi je ne peux pas prendre ses sous-vêtements, mettre ça dans la machine à laver? Bon, avant, il n'y avait pas la machine à laver chez moi au pays. Mais les riches connaissent les machines à laver. Moi-même, aujourd'hui, je n'ai pas ça au pays. Et là, avec tu. Et ça fait un bon bruit. Quand tu doses bien le savon Blue, Homo, Pax, tu. Dans mon pays, s'il n'y avait pas la machine à laver, je suis avec Manga. C'est sale. J'ai le temps, je lave ça. Moi, je lave. Parce que je ne suis pas donneur de mauvaises leçons. Je suis là pour que dans ton mariage, tout puisse bien aller. Les autres ne font pas la magie. Je ne fais pas la magie. Moi, elle ne fait pas la magie. Quand elle descend, elle prend la voiture, là, voum, Paris, voum. Non, c'est que le gars là, c'est pas la magie qu'on fait. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, qu'il n'y a pas souvent des engueulades, mais en 100 ans, je ferai tout avec ma femme. Elle aussi, elle se bat pour qu'en 100 ans, on ait peut-être 2 disputes. Parce qu'on prépare, on se prépare à aller vers l'excellence, vers la perfection, vers le bon combat, l'union, la bonne union, pour le bien de notre famille, de nos descendants, de nos futurs petits-fils, de ceux-là qu'on ne va même pas voir. Nous sommes en train d'abattre le travail là maintenant. Donc quand je rencontre souvent sur les rues de Paris ou dans les restaurants de Paris, certains qui sont sur mon chemin et d'autres qui sont sur leur chemin, qui disent non, toi tu es devenu, on dirait que tu es le porte-monnaie de ta femme partout où tu es, et elle doit être là ou bien partout. Non, détrompez-vous. C'est que nous ne nous comportons plus comme les enfants qu'on était hier. Hier, on avait 17 ans. C'était normal que je parte au football à tout moment. C'était normal que je sorte parce que j'étais un jeune de 17 ans et en plus célibataire. Qui n'a que Dieu, jeunesse, jeu d'enfant. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant. Mais vous voulez que je redevienne cet enfant et que je délaisse ma femme pour vous retrouver tous les vendredis, samedi, dimanche? Vos noyaux. Je vais rester sur les bons conseils. Ça, ce sont des exemples parmi tant d'exemples que je peux prendre. Je l'ai dit, ça, c'est le pantalon de ma femme. Il est tombé alors que je partais me servir du riz. Et c'est inadmissible que je délaisse ce pantalon comme ça au sol. Non, je vais le prendre et nettoyer comme ma femme le ferait aussi. Ça, c'est pour le bien de notre vie de couple. Parce que comme je le dis le plus souvent, au sein d'un foyer, au sein d'un couple, les problèmes peuvent surgir à partir de rien du tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même ce téléphone, on dit que oui, bon, ça c'est exagéré, mais chercher quelque chose de simple. Bon, un verre posé sur la table. Parce que le monsieur a pris de l'eau, il a oublié de retirer son verre sur la table, il s'est levé et il est parti. Ce verre-là peut causer les problèmes. Parce que ça dépend de l'humeur de la femme. Une femme peut être sage, mais parfois se laisser emporter parce que il y a la fatigue, il y a certaines choses, certains paramètres qui entrent pour nuire, et ce sont des paramètres que si tu ne le mets, tu ne les maîtrises pas parce que tu n'as pas le calme. Tu vois, Dieu, tu peux gâter ton couple à cause d'un verre. Voilà pourquoi je dis toujours à certaines jeunes filles ou à certains jeunes garçons comme moi, je suis jeune. Ou à certains vieux qui nous conseillent mal parfois. Moi, déjà, je suis direct. Un mauvais conseil, tu regardes comme ça que père, tu es dans l'indemne. Tu as là, mais je te chasse directement. Moi, je ne suis pas là pour écouter les ignorants. Je ne suis plus dans ça. Donc, je dis, ma jeune soeur, il a oublié de retirer ce verre sur la table, mais la façon dont tu as trié sur lui, tu l'as mis mal. Il y a des techniques et des stratégies pour dire à ton mari ou ton copain que
pour faire comprendre à ce copain que la prochaine fois, essaie, tu vois, non. Tu peux le prendre, tu dis, toi, tu oublies toujours de ranger tes affaires, mais c'est pas grave. Et tu l'as rangé. Ou bien, c'est comme on est assis là, tu viens, tu vois, tu dis, c'est toi qui as bu l'eau là. Il va te dire oui, tu dis, ah, ok, mais il n'y a plus. Et en plus, tu avais laissé le verre. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs manières de ne pas apporter les problèmes au sein de nos couples. Mais non, nous voulons toujours aller vers les gens qui vont nous montrer comment gérer les problèmes au sein de nos couples. Quand il y a problème, on accuse toutes les femmes, on accuse tous les hommes, on accuse le mariage. C'est là que tu comprends, le mariage n'est pas un fait en soi. Non, c'est parce que ces femmes ou ces hommes ne tombent pas très souvent sur des bonnes personnes, ou parfois quand ils ou elles tombent sur des bonnes personnes, ils ont encore le côté, ce petit côté d'imperfection qui nous amène à nous égarer, à gâter nous-mêmes nos mariages. Non. Et le plus souvent, parce qu'on écoute les gens d'à côté, attendez, ça c'est pour, monsieur, après, je vais retirer ma veste, parce que c'est la veste du pointage. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, merci ma soeur Vanessa, je fais de mon mieux pour tendre vers la perfection de ce mari qui se bat pour le bien-être de sa vie familiale, pour sa femme, pour ses enfants, je me bats. Je ne dirais pas que je suis parfait. J'ai commis quelques erreurs, quelques égarements. Mais je suis en train de les laver afin que je ne donne pas la possibilité à certains petits tintins qui disent que tu es comme nous, tu es comme nous. Nous, c'est vous. Nous, c'est nous. Vous, c'est vous. N-O-U-S-V-O-U-S. Je, c'est J-E. Tu, c'est tu. T-U. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique. Même les jumeaux. Regardez bien les jumeaux. Si vous avez les yeux, vous saurez qui est qui parmi les deux. Mais c'est parce qu'on veut marcher comme des tintins qu'on mélange tout. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis arrivé à la porte d'Orléans pendant que ma petite cousine avait quelques problèmes avec son gars. C'est son gars qui m'a appelé. À l'époque, je travaillais à Guerlain sur les Champs-Élysées. J'ai dit, ok, cousine, j'ai compris. J'ai dit, non, c'est le mec. J'ai dit, ok, j'arrive. Parce qu'il me dit, est-ce que ta soeur est chez toi? J'ai dit que mon frère, moi, je suis au pointage. Mais elle n'est pas chez moi. Parce que si elle était chez moi, c'est que ma femme m'a dit. Elle n'est pas chez moi. Bon, ok, j'ai fait ça, 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 ça. J'ai dit, c'est rien. Je vais passer. Je suis arrivé là-bas vers 23h20, comme ça, le temps de quitter la Guerlain, dans les Champs-Élysées, pour la porte d'Orléans. Je suis arrivé vers 23h20. Ils ont cru que je venais arranger leur mariage comme on convoque parfois un père, une mère, et on convoque la belle famille. C'est là où les gens s'asseyent. Vous connaissez quoi de leur mariage? Vous connaissez quoi de leur mariage? Vous venez vous asseyez, Kounyabwe. Vous connaissez quoi de leur mariage? Ce temps-là, c'est révolu. C'était avant. Pourquoi est-ce que c'était avant? Le pantalon de ma femme. Bon, c'est comme ça que je suis, mais quand elle est devant moi, je ne suis pas trop démonstratif, je le démontre d'une autre façon. Mais elle est tout pour moi, comme mes enfants, comme mes frères, même s'ils sont têtus, comme mon père et ma mère. Je dis à l'époque, pourquoi les grands-pères, les adultes venaient faire la paix? C'est parce qu'on vivait dans des concessions, ensemble, chacun avait les yeux sur l'autre. Donc c'était vite fait, le même jour que tu fais les problèmes, le même jour tout le monde est au courant. À l'instant T que tu donnes ta femme, tout le monde est au courant, à l'instant T. Donc c'était facile de faire la paix parce que ce sont des gens qui connaissent vos vies depuis que la femme est venue en mariage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, il faut avancer avec le temps, Mais les gens refusent d'avancer avec le temps. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, mais tu veux venir arranger son problème. J'ai dit à ma soeur,
Tu es là? Elle me dit oui. Il m'a fait un message que tu arrivais. Donc, je suis quitté. J'étais chez ma copine. Et je suis venu. J'ai dit, ok, assieds-toi. J'étais au walk. Donne-moi quelque chose. Je vais d'abord doser. Et elle s'est fait la cuisine. J'ai mangé les msolés, le ndolé, je me rappelle bien. Et quelques millions d'or. Les gens, ils s'attendaient que à ce que je dise que vous savez que... Non, non, je ne suis pas dans ça. Non, 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 non. J'ai fini de manger. Et j'ai dit à ces derniers, regardez la beauté de votre union. La voilà là-bas. C'est votre petite fille. Il y a eu quelques égarements de la part de monsieur. Et toi, ma soeur, tu es au courant de ça. Et le Seigneur nous a dit de pardonner. Mais je ne suis rien dans votre ménage. Tout dépend de vous si vous voulez avancer ensemble. Tout dépend de vous. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne peux rien vous dire. Mais pardonne ton mari et toi, ressaisis-toi enfin que tu ne puisses plus tomber demain. Mais tout dépend de vous. La voilà. Et la fille n'avait que 4 ans à l'époque. C'est elle, votre avenir. Car nous tous, nous allons quitter cette terre. Mais apprenons. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pris la route pour rentrer. Je suis arrivé ici. Il était 2h, peut-être 25 comme ça. J'ai pris les noms. C'est les noxiliens, les bus de nuit là. Et je suis arrivé. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire... La vie, hein? Attendez. Chacun a sa façon de prendre la vie. Chacun a sa façon de s'asseoir et de manger son boulet ou son atchou ou son héros. Chacun sait où il va, où il met ses pieds. Mais nous sommes dans un monde, comme je le dis, écoutez tout le monde, les amis. Écoutez tout le monde, que personne ne vous empêche d'écouter quelqu'un. Parce que tout le monde vit sa vie et tout le monde a sa trajectoire. Mais la trajectoire de quelqu'un peut te faire apprendre quelque chose que tu ne vis pas, mais que quelqu'un dans ta famille peut vivre. Donc tout ce que nous vivons et tout ce qui est, nous sommes une école. Voilà pourquoi, avec un œil, j'observe et je dis, Natacha de Monaco, pas naissant, où c'est, pas naissant, où c'est. Je dis, oh, 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 les prostituées, les prostituées, les prostituées. Pendant que je parle, je dois mettre mon riz. Il faut qu'il mange avant de reprendre ma pause. Je dose d'abord. Je mets mon riz au feu. Le pantalon. Bon, je mets quand même la musique.
Bon, je reviens. J'ai mis mon riz au feu. J'étais en train de dire que tout ce que nous voyons sur cette terre, surtout nous humains, nous hommes, nous femmes, enfants, c'est une école. La vie de l'autre, même sans connaître l'autre, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ne voyons pas des choses et on décide d'être Dieu, porteur de jugement. Oui, on peut apporter des critiques. On peut critiquer quelque chose, mais il faut qu'on critique ces choses positivement. Il faut des critiques qui construisent. Moi, je suis en train de voir sur la toile les femmes, comme les hommes, parler des prostituées. Certains disent que c'est le plus vieux métier, c'est le plus vieux métier. Non. Avant la prostitution, les métiers existaient. Les métiers existent. Certains métiers n'existent plus, il y a des nouveaux métiers. Mais qui sommes-nous pour pointer nos bouches sur la vie de quelqu'un? Natacha de Monaco est une fille, est une femme comme les autres femmes. Sauf que elle, dans sa jeunesse, elle a connu misère et elle s'est tournée vers la prostitution parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Si toi tu as le choix d'aller travailler ailleurs, c'est ta vie. Si toi tu es allé faire aide-soignante, c'est ta vie. Concentre-toi sur ta vie et celle de tes enfants. Et ne verse pas le tort sur Natacha de Monaco qui est dans sa propre vie. Qui allume son téléphone. Qu'elle vante la prostitution. Qu'elle fait la publicité de la prostitution. Ce n'est pas ton problème. C'est parce que tu t'intéresses à ce qu'elle a autour d'elle. C'est parce que tu n'as que Dieu sur ce qu'elle gagne. Sur sa vie que naît en toi ce petit côté d'aigri, de jaloux, de jalouse. On n'est pas là pour dire que la prostitution, il faut faire la pub. Non, elle a sa vie. C'est son Facebook, c'est sa page Facebook. Si tu ne veux pas que tes enfants jettent un œil sur la page de Natacha de Monaco, tu devras être cette femme qui a le contrôle sur ses enfants, sur ce que ses enfants doivent voir, sur ce que ses enfants doivent faire plus tard. Tu dois orienter tes enfants, mais tu ne peux pas être là tous les jours. Natacha de Monaco, la prostitution, elle parle de la prostitution. Mon frère, ma soeur, celle qui vend son piment, hein, est-ce que c'est ton piment? Celle qui prend son téléphone, elle fait son direct pour vanter son piment, sa prostitution. Ton problème là, c'est quoi? Elle pervertit les gens, elle pervertit, elle fait la publicité. Ton problème là, c'est quoi? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi. Ton problème, c'est toi. Un homme sage dira, si cette jeune fille a connu tant de souffrances et s'est dirigée vers la prostitution parce qu'elle n'avait pas d'autre choix pour nourrir sa famille, c'est sa vie. C'est sa vie. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ce n'est pas notre problème. Les vendeurs de piment ou les vendeurs d'arachide, c'est leur problème. Chacun avait sa vie. Mais c'est parce que nous devenons envieux. Nous voulons juger l'autre. Tôt. On porte un jugement. On ne construit même pas. On n'essaye pas de connaître ce que l'autre a traversé. Pourquoi l'autre le fait? Moi, parfois, ça m'arrive de demander à ma femme, est-ce que tu as eu le problème un jour d'un euro? Ça fait 650 francs. 655. Tu as eu ça depuis que tu es né? Elle me dit, non, jamais. Je dis, voilà.
Tu ne peux donc pas porter un jugement sur quelqu'un qui fait 3 jours sans manger. Sur quelqu'un qui fait 1 jour, mange un petit truc et attend. Attend encore peut-être le matin pour manger. Tu ne peux pas. Parce que maintenant que nous sommes à l'abri de certaines choses, on dirait que c'est plus facile de juger l'autre qui dort dans une maison en caraboute. Parce que nous, on ne dort plus dans les maisons en caraboute. Non. Tu es qui pour juger l'autre? Tu es qui pour dire que l'autre mange dans la saleté? L'autre est prostitué, l'autre... Si tu veux sortir Natacha de Monaco dans ça, soit tu deviens son mari et tu lui apportes un plus dans sa vie. Si elle n'est plus dans ça, il faut apprécier. Peut-être c'est une école comme j'ai dit aujourd'hui. Si certaines jeunes filles veulent se rapprocher d'elle parce qu'elles trouvent cela opportun, un peu businessique, mais ces jeunes filles vont partir. Ces jeunes filles ont fait le choix d'écouter Natacha. Écoutez bien, parce que certaines femmes ne comprennent pas et certains hommes. Quand vous ne comprenez pas là, vous pouvez vous égarer. Je parle ici de choix. Si certaines filles font le choix d'entrer en contact avec elles, ce n'est pas toutes les filles qui feront ce choix. Certaines mamans ou certaines filles ont fait le choix d'aller à l'école, d'aller suivre des formations. Vous me direz, oui, mais les filles l'écoutent, elles sont suivies sur les réseaux sociaux. Il y a les milliards d'habitants sur la Terre. Si elle a 100 000 vues sur 100 000 ou bien 2 milliards, ça fait quoi? Ça veut dire qu'elle n'est que suivie par celles qui sont tournées vers ces choses. Et ce sont des futures prostituées qui vont l'appeler. Et elle, en tant qu'ancienne prostituée, elle a de l'expérience dans la prostitution. Vous voulez, vous ne voulez pas. Elle a de l'expérience dans la prostitution. Donc aujourd'hui, elle peut donner des conseils aux jeunes prostituées. Il faut même être content qu'elle vit encore parce que certains prostituées meurent. Certains décèdent de suite de maladie. Certains décèdent de suite d'agression. C'est sa vie, c'est son choix. Vous n'avez pas d'autre choix. Parce que c'est sa vie, c'est elle qui guide sa vie. Ce n'est pas vous à vouloir imposer qu'il faut sortir de là, il faut sortir de là. Non, c'est déjà une grande fille. Mais c'est parce que vous êtes jaloux. Moi, elle la connaît pas. Il faut quoi même. Il faut quoi même. Mais je dis seulement de respecter la vie de chacun. Si tu ne veux pas que ta vie bande le piment, toi, commence à choquer dès maintenant. Commence à choquer dès maintenant. Tu envoies tes enfants à l'école, faire des formations. Oui. Sinon, elle va s'égarer demain. Et si elle s'égare, les papas ne sont pas là. Ils vont là tout mal correctement. Tout dépend. Tout dépend de nous. Comme je suis en train de charger le téléphone là. Tout dépend de nous. Tu ne peux pas t'asseoir derrière cette jeune fille. Elle est prostituée. C'est une prostituée qui fait la publicité de la prostitution. C'est qui es-tu si Jésus même a pris Marie de Madeleine et a mis Marie de Madeleine à ses côtés, la Samaritaine? Vous connaissez l'histoire de Marie de Madeleine? Si Jésus même a pris Marie de Madeleine, a mis à côté, toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu connais la vie de Natacha de Monaco? Quand sa maman souffrait, elle n'avait pas mangé, tu étais où? Elle a rencontré des difficultés dans la vie et elle n'avait que Dieu. Sa réussite, son combat. Je dois faire sortir ma famille de cette pauvreté. C'est son combat. Toi, tu as ton combat. Moi, je suis dans la sécurité. C'est mon combat. Je peux arrêter la sécurité. Je fais une autre formation. 2 ans, 9 mois. Mais mon choix, je dis que non. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Et je sais pourquoi je l'ai choisi. Si tu as fait ton choix pour tes trucs, fais ton choix pour tes trucs. Si tu as vieilli et que ça ne marche pas, ne déverse pas ta colère sur les enfants. C'est une jeune prostituée. Tu la laisses dans ce monde. Quand elle va voir, elle va arrêter.
Une jeune prostituée qui veut réussir, ça prend des grandes prostituées, de celles qui ont arrêté depuis, elle prend les conseils. Hey, c'est un métier, non? C'est un métier, non? La prostitution, c'est pas un métier. Voilà, donc il y a des filles qui ont des compétences sur ça. Elles peuvent s'approcher des filles qui ont des compétences. Elle aura des conseils. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas rester sur la toile, déverser la colère. Mais ce n'est pas tout le monde qui déverse sa colère sur cette fille. C'est une poignée de femmes et d'hommes perdus. Moi, je les appelle perdus. Elle fait sa vie. Elle est dans son jeu Facebook. Elle fait sa publicité. Elle vend ses choses. Elle n'a même pas besoin de vendre, mais c'est parce que c'est pour elle. C'est ce côté entrepreneuriat qui l'anime déjà. C'est ce côté entrepreneuriat qui l'anime déjà. Sortie du monde de la prostitution et devenue une femme d'affaires demain. N'est-il pas permis de continuer sa vie? Non, on doit juger. On doit mettre l'autre mal à l'aise. Pendant que d'autres sont cachés dans l'ombre, en train de violer les enfants, tués en cachette, braqués en cachette. Elle a assumé qu'elle a vendu le piment. D'autres se cachent dans la prostitution. On ne sait même pas. C'est quand tu arrives en Belgique que tu constates que non, c'est une bandée de piment. Mais au pays, personne ne connaît ça. Mais nous sommes tous allés à Concorde. Moi, je suis un gars d'Aqua. J'ai vu les... Jusqu'à aujourd'hui, il y a les prostituées là-bas. Mais c'est leur vie. C'est leur vie. Est-ce que vous appelez vos enfants de venir payer le piment à 3 000, 30 000, 10 000? Non. Ceux qui sont un jour, ils partent. C'est comme ça. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour dire, non, il faut qu'elle arrête. C'est la polo. Aujourd'hui, on apprend le français. Elle fait la publicité de la prostitution. Elle garde nos enfants. Bon, pourquoi moi, elle ne garde pas mes enfants? Pourquoi moi, elle ne garde pas mes enfants? Elle garde nos enfants. Elle garde tes enfants. En faisant quoi? Peut-être même que tes enfants ne la connaissent même pas. Peut-être tes enfants ne sont même pas au courant d'elle. Mais c'est toi qui es au courant d'elle. Parce que tu es envieuse, tu es jalouse, tu es en train de mépriser cette fille qui est passée par la prostitution et elle a fait son petit chemin. Elle est juste passée par la prostitution. C'est sa vie. Elle pouvait passer par autre chose, mais elle, elle est passée par la prostitution. Donc, il faut arrêter vos conneries sur les réseaux sociaux. De vouloir faire culpabiliser quelqu'un sur sa vie actuelle ou sur sa vie passée. Parce que vous-même, vous avez fait des sales choses et vous continuez toujours à faire des sales choses. Mais comme on n'a pas Dieu pour vous surveiller et que vous êtes champion pour vous cacher, on ne connaît rien. Mais certaines personnes connaissent vos vies. Les personnes-là ne veulent pas seulement parler. Si Natacha de Monaco dit qu'elle vend le piment, c'est sa vie. Ça vous regarde avec quoi? Elle pervertit nos enfants. Ton enfant est obligé d'aller regarder Natacha de Monaco. Pourquoi ma fille ne connaît pas Natacha de Monaco? Pourquoi ma fille ne connaît pas Natacha de Monaco? Pourquoi ma fille ne connaît pas Natacha de Monaco? Ma fille est pervertie les enfants. Peut-être même que ta fille n'est pas au courant d'elle. Ta fille est tournée vers autre chose, mais c'est toi la maman qui n'a rien à faire. C'est toi la maman qui est égarée. Sur les réseaux sociaux, tu es perdu. Quand tu vois une prostituée ou une ancienne prostituée faire son one man show, one woman show, ça t'énerve parce que tu es perdu. Tu es jalouse de sa vie, de ses biens. En fous-toi de ses biens. Ce ne sont pas tes biens, c'est sa vie. C'est son travail qu'il a mené à faire ça. Son travail, c'était quoi? La prostitution. C'est grâce à la prostitution qu'elle a eu ça. Oui, laisse-la. Parce qu'on peut envier même les prostituées. Et c'est ça que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous enviez déjà les prostituées. Vous n'êtes plus en train de dire la vérité, mais ça devient de l'envie. Vous êtes devenu envieux. Et cette envie a fait naître en vous de la jalousie. Jalousie, suite, c'est quoi? La haine.
Après, on va vous voir, vous êtes assis ensemble, l'autre va empoisonner l'autre. Parce que au-delà de la jalousie qui fait naître la haine, au fond de vos cœurs, vous vous méfiez. Donc, je peux knock l'autre avant qu'il ne me knock. Par contre, si on appliquait la loi de Dieu directement, tu es qui? Laisse-la avec sa vie. C'est moi Dieu qui juge ça. Tu as parlé, mais ferme ta bouche. Ne t'occupe pas de sa vie. Laisse-la faire sa prostitution. Comme l'autre est en train de faire sa sécurité. Comme l'autre fait son bail en Selam. Comme l'autre suit sa formation de 2 ans. Chacun de vous, vous avez vos vies. Occupez-vous de vos vies. Si tu ne peux pas que ton enfant fasse la prostitution, n'amène pas ton enfant sur le Sacha de Monaco. Parce que le plus souvent, c'est quand nos enfants arrivent qu'on commence à parler. Qu'il y a une jeune Camerounaise et une prostituée, elle parle trop de la prostitution. Et ça attire l'attention de nos enfants. Et nos enfants vont aller taper en cachette Natacha de Monaco. Alors que non, c'est le contraire que tu devras faire, maman. C'est le contraire que tu devras faire, ma soeur. Ne jamais faire la publicité si tu dis que c'est sale. Ne fais pas la publicité de ce qui est sale. Donc ne parle pas d'elle dans ta maison. Moi, ma maison est vide aujourd'hui. Ma maison est vide. Je ne peux pas parler de Natacha de Monaco devant ma femme, devant mes enfants. Puisque les enfants écoutent, les enfants peuvent aller taper sur l'ordinateur. Natacha de Monaco, papa parle souvent. Et ils peuvent voir une fille qui a refait les seins, une fille qui profite de sa vie à sa façon. Et ça peut intéresser les enfants, parce que tu n'es pas ton enfant. Peut-être elle peut plaire à ton enfant, peut-être elle ne peut pas plaire à ton enfant, mais tu n'es pas ton enfant. Donc ne fais pas déjà le travail que tu veux faire en parlant d'elle. Mais non, on est perdu. L'autre, oh vraiment... Laissez-moi m'étirer. C'est un ami qui m'a dit, tu nous ressembles. J'ai dit, je ne te ressemble pas. Tu as ton visage, j'ai mon visage. Tu as tes caractères, j'ai mes caractères. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Tu regardes même dans ta famille, si tu as même des frères et soeurs, tu vas voir que vous êtes tous différents. Tous, sans exception. Donc tu ne peux pas voir une femme qui est en train de faire la prostitution et tu te mets à faire des vidéos contre elle. La prostitution, elle fait la publicité, la prostitution. Elle... Non. Ce n'est pas comme ça que ces choses se passent sur cette terre. Ce n'est pas comme ça. Si c'était comme ça, c'est que Jésus n'acceptait pas Marie de Madeleine à ses côtés. C'est que Jésus n'acceptait jamais Marie de Madeleine. Mais Jésus n'a pas les yeux de tout le monde. Jésus avait déjà cet esprit de discernement de Dieu qui l'habitait. Et a dit non. Si vous qui avez l'esprit démoniaque, vous jugez déjà si mal. Alors que vous-même vous êtes plus pire, vous êtes des démons. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elle est entrée dans la prostitution. Je vais prendre un exemple au Cameroun. Il y a des enfants qui quittent un peu partout dans le monde, dans d'autres villes. Et arrivés au Cameroun, à la fin, on les retrouve, enfants de la rue, Nangaboko, d'autres filles qui sont en train de vendre le piment. Vous savez pourquoi ils vendent le piment? Vous connaissez leur vie? Vous connaissez leur vie? Bon, comme aujourd'hui, tous les Camerounais font les dons, les Camerounais font les dons. Il faut donc donner l'argent tous les mois aux enfants là, pour éradiquer la prostitution. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Combien sont les hommes qui arrivent ici en Europe? Avant, ils ne baisaient pas les hommes au pays. Ils arrivent ici, ils commencent à monter sur les hommes. Je vais les juger. Moi, je vais les juger. Ce n'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Ils ont décidé de le faire. Ils le font. Même moi, je vais ici. Moi, j'ai des gens qui sont dans le tcha-tcha. Je les juge. Mais si un me tente, c'est là où je vais parler pour lui. Si un me tente, c'est là où il parle, mais je donne son nom. C'est comme ça. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce que le jour où le ham arrive, le jour où la récompense, la mauvaise récompense arrive, c'est eux, ils sont responsables de leurs actes. Le jour où ça les frappe eux. Est-ce que ça va te frapper? Ça ne va pas te frapper.
Mais par contre, tu seras toujours là, observateur et bon conseiller. Tu tiens la main de tes enfants, de ta femme, que tu orientes vers le combat que tu veux, qu'il ou qu'elle mène. Mais si tu t'occupes de tout, tu feras la publicité du mal dans ta maison sans savoir que, à force de parler du mal, il reste plus tôt. Tu parles le mal, mal. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ils ne savent pas prier. Il y a des gens là, tu les vois prier Dieu, ils ne savent pas prier Dieu. Quand tu veux prier Dieu, ne prononce pas le nom du diable. Quand tu veux prier Dieu, ne prononce même pas le nom des ennemis. Parce que, à force de dire les ennemis, tu as quel ennemi? Tu as quel ennemi? Mais tu es plutôt en train de les appeler. Parce que ces pasteurs qui vous amènent à mal prier Dieu, ils vous égarent. Mais vous partez ignorant et inconscient. Vous baissez la tête, vous suivez. Je ne vais pas dire vous baissez la tête comme les moutons, hein, non. Le mouton n'est pas bête. Hein. Le mouton n'est pas bête. Je le dis très souvent. Les gens disent images comme non, les moutons ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils sont en captivité. Parce qu'ils sont prisonniers. Qui sont obligés d'obéir. Il y a un chien, il y a le berger, on les chicote. Parce que au temps de l'esclavage, nous aussi, on est obligés d'obéir. Tu n'obéis pas, on tue. Mais certains ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi quand tu veux prier ton Dieu, tu demandes à Dieu de te donner les forces d'aller à ce boulot et de rentrer bien. Parce que certains partent et ne reviennent pas. De te bénir, d'effacer devant toi, même le caillou qui peut te faire, tu vois, non? Mais tu n'es pas là pour dire, chasse mes ennemis, chasse mes ennemis, chasse les démons. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Mais parce que tu es ignorant, tu es plutôt en train de les réveiller. Tu es plutôt en train de faire sortir tous les diables qui dormaient. Après, on dit qu'il faut verser le sel. Il faut verser le sel. Nous, on verse le sel depuis. Rien ne change. C'est le mal qui nous prend toujours. On verse le sel. Il faut verser le sel. Le sel aspire les mauvaises énergies. Ce sont des croyances. Il faut croire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire. Mais quand tu as Dieu, tu n'as même plus besoin de verser le sel. Quand tu as Dieu, tu n'as plus besoin de verser le sel. Pour... Dieu te fait voir tout. Tu n'as plus besoin de dire que tu verses. Dieu te fait tout voir. Tu ne verses plus le sel puisque Dieu t'habite. Dans Natacha de Monaco, cette jeune sœur camerounaise qui part à la prostitution a essayé de trouver son chemin. C'est sa vie. Elle a Dieu, comme nous tous on a Dieu. Mais chacun a Dieu à son niveau. À son niveau. Demain, qui vous dit qu'elle ne va pas abandonner ce métier et devenir une grande chef d'entreprise comme elle est déjà, mais une grande, grande chef d'entreprise. Qui vous dit qu'elle ne pourra pas? Vous allez toujours rester dans son passé. Petit délinquant. Vous-même, si on veut entrer dans vos passés, ou moi-même, qu'est-ce qu'on ne va pas voir là-dedans? Pour certains, on va voir qu'il a tué deux personnes avant de voyager. Pour d'autres, celle-là, elle a couché avec 268 gars. Où elle est là. Et l'autre même, elle a essayé d'empoisonner quelqu'un. Si on ouvre les cahiers, on va voir le mal. Mais Dieu n'est pas dans ce combat. Dieu demande de balayer tout ce qui est mal dans nos vies, pas dans les vies des autres. Dans nos vies, afin qu'on soit porteur de lumière. Non, non, on ne balaye pas nos vies. On n'apporte pas la lumière à nous. Non, on veut aller apporter la lumière à l'autre. Alors que nous, on n'a pas fini d'apporter la lumière dans nos vies. On va apporter la lumière à l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Apporte la lumière dans ta vie. Et si quelqu'un te dit un jour que tu me ressembles, alors que tu sais que tu es en train de balayer ta vie tout doucement, dis à la personne là que tu dis non, je ne te ressemble pas. Il faut avoir le courage. Il dit, on ne se ressemble pas. On se ressemble, on se ressemble. Tu es fou dans ta tête. Il te ressemble. Tu bois le fofo. Il faut avoir ce courage. Et regarde-le en même temps. Parce que 14,
Je vais m'asseoir à 14h20, je finis ma nourriture vers 14h40. Et je repars au pointage. Donc mes chers frères et sœurs, je sais que nous sommes sur les réseaux sociaux et que chacun a la liberté de cliquer sur la vidéo qu'il ou elle veut. Et moi, je vais vous dire, cliquez. Mais que ces vidéos, certaines vidéos qui sont sales, un peu, n'impactent pas vos esprits négativement. Tu peux rire, mais ton esprit ne rit pas. C'est ça. Mais si tu ris et que ton esprit aussi rit la bêtise, non, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu es un tintin. Si c'est une fille, tu as encore une tintine. Ce n'est pas bon. Mais chaque chose a son temps. Voilà pourquoi je dis parfois aux nouveau-nés, ceux qui viennent de connaître Dieu, quand je dis ils ne connaissent même pas encore Dieu, ceux qui viennent de connaître le chemin de l'église, qui jugent ceux qui ne parlent plus à l'église, tu ne connais pas Dieu, ils ne parlent pas avec toi, Dieu, non. Ce sont, ils vont dire qu'ils sont nés de nouveau. On ne naît pas de nouveau comme ça, en allant à l'église. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est un processus. Aller vers Dieu est un processus. Il y a des gens qui parlent de Dieu, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent pas. Certains me diront, toi tu parles, tu connais Dieu. Je vais dire, mon frère, si tu m'écoutes, je n'ai pas besoin de parler. Si tu m'écoutes, je n'ai pas besoin de parler. Donc, soyons de ceux-là qui savent ce qu'on appelle la tolérance, l'humilité, le pardon, l'amour surtout de l'autre, savoir consoler l'autre quand il ne va pas bien, savoir ne pas se mélanger avec les hypocrites, savoir faire chemin seul que d'être avec des gens qui n'ont que des poignards. Ça aussi, ça demande un travail quotidien. La vie n'est pas un jeu, mais le jeu fait partie de la vie. Et si tu as choisi de jouer, dis-toi que ton esprit aussi choisit comme toi le jeu. Si tu as choisi de rire toute ta vie, dis-toi que ton esprit aussi va choisir de rire toute sa vie, alors que la vie n'est pas seulement faite de rire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour tout. Je vais m'arrêter là, je suis le Skies, l'homme invisible. Je suis l'élu. Passez une excellente journée, un bel après-midi, sous la protection de celui-là qui vous demande d'ouvrir vos cœurs et vos esprits et de l'accepter. Et même quand vous l'avez accepté, ça ne suffit pas. Il faut passer de l'autre côté. Et c'est ça le plus difficile. Mais avec lui, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Les actes, ce qui est bien. Je vais aller regarder mon riz. Je vais manger le riz poulet. Je vais doser ça le soir et rentre. Je pousse encore ma machine un peu parce qu'il faut qu'il récupère. Que le Seigneur Dieu bénisse ses paroles. Que le Seigneur Dieu vous donne à vous. Ça, ce sont des prières même. Parce que je peux le dire parce que c'est un vœu, mais tout dépend de vous. Allez plutôt vers Dieu. Ma volonté est que Dieu habite le cœur de chacun de nous. C'est ça ma volonté. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Passe un bel après-midi. Jeune frère, à toi aussi, jeune sœur ou grande sœur, passe un bel après-midi. Je vais aller regarder mon riz et manger. Ciao.